Salut famille, comment vous allez? Je suis trop heureux ce matin. Vous pouvez pas imaginer, je suis trop heureux. La nouvelle est tombée, hein? La nouvelle est tombée. Yabongo Lova. On m'a dit, c'est vrai, il chante il y a longtemps. Mais on m'a dit, ça fait au moins 2 ans, 2 bonnes années, 2016, 2018, qu'il a comme ça commencé à vraiment décoller dans la musique ivoirienne. Et chap, en 2 ans seulement. Voilà, 2 ans seulement. Dixtor. Après Magic System. Dixtor, Zouglou. Je suis fier de toi, Grando. Trop fier de toi. Voilà un exemple. Je suis trop content. Avec soif. C'est pas 75 000 ventes nettes, hein. C'est plus de 75 000 ventes. Voilà. Mais comme on doit le décerner, son Dixtor, ils se sont arrêtés. 75 000 choses ventes, 50 000 CD vendus et 25 000 téléchargements. Voilà, c'est même pas du stream. C'est lui-même son disque est plus crédible, même. Mais les ventes physiques là s'élèvent à plus de 50 000 artistes Zouglou. Sa carrière a vraiment décollé en 2016. Voilà, faut qu'on le souligne. Il a fait un album. En 2010, ça a marché. Il est revenu en 2016. Et puis, boum, Dieu a fait grâce. Ça a pris. Je suis trop heureux. Trop heureux, même. Et vous savez pourquoi il a pu avoir ce disque d'or là? Est-ce que vous savez pourquoi il a pu avoir ce disque d'or là? C'est parce que dans le Zouglou, il y a la paix. C'est parce que dans le Zouglou, tous les Zouglou mannes, tous les Zougloufils s'entendent. Ils sont tous solidaires. Voilà. En tout cas, ça c'est une très bonne leçon. Très bonne leçon. Il n'a pas eu besoin de clasher ses collègues. Il n'a pas eu besoin de faire les gros featuring. Il n'a pas eu besoin de faire 1 000 concerts. Son travail, son sérieux et son humilité lui ont fait. Il a eu ce Dixtor là. C'est un Dixtor béni. Voilà. On m'a dit sans grand moyen. Voilà, c'est le bara. Il a fait son boulot. On dit, toi, tu chantes bien. Tu as quelque chose à vendre. Donc, nous, on te soutient. Franchement, félicitations à Yabongolova. Félicitations. Donc, aux artistes coupés décalés. Tant que, vous n'allez pas instaurer la paix dans ce coupé décalé-là. Oubliez votre histoire de Dixdor. Voilà. Nous, on vous regarde. Yabongolova n'a pas eu besoin de faire les gros featuring. Il a chicoté son Dixto sans bruit. Voilà. Donc, au lieu d'être orgueilleux et plein de vous-même là, soyez humble. Et puis réunifiez-vous. Dixto là, vous pouvez prendre ça même en moins d'un mois. Voilà. Mais tout est une question de solidarité et d'humilité. Encore félicitations, vieux père. Félicitations. Trop heureux ce matin, ma journée est gagnée. Enfin, un dictateur digne de son nom. Yabon le voit quoi. Luché!